Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle hair business, beauty business. Donc si tu veux des conseils pour lancer ta marque, que tu souhaites vendre des mèches naturelles, des bijoux, des gaines, des produits féminins, abonne-toi pour avoir plus de conseils. Et comment se lancer justement dans le hair business à moindre coût avec un faible budget? Déjà, tu as deux méthodes principales avec lesquelles tu pourras commencer à vendre tes perruques ou tes mèches d'extension. La première méthode, c'est tout simplement la méthode du dropshipping. Le dropshipping, ça consiste en quoi? Concrètement, tu vas créer ta boutique en ligne et ensuite, lorsqu'une cliente ou un client va passer commande sur ton site internet, tu vas aller passer commande chez ton fournisseur et comme ça, ton fournisseur va directement envoyer la commande à ton client. Donc du coup, l'avantage, c'est que tu n'as pas à avoir les mèches à côté de toi chez toi. Tu ne t'occupes pas non plus de l'expédition vers tes clients. Ok, tu t'occupes tout simplement d'encaisser les ventes et ensuite de passer la commande chez le fournisseur et le fournisseur va faire tout le nécessaire. Forcément, l'avantage, tu n'as pas besoin d'avoir de stock. Donc forcément, tu débutes avec un moindre coût. Par contre, tu vas dépenser pour, par exemple, si tu fais ta boutique en ligne sur Shopify, il faudra que tu achètes le forfait minimum, au moins pour débuter, de Shopify. Il faudra également que tu achètes un nom de domaine. Mais tout ceci fait que avec moins de 500€, tu peux te lancer avec le dropshipping que tu souhaites vendre des accessoires, des perruques, des lace wigs, des bundles. Maintenant, où vas-tu rechercher les fournisseurs avec lesquels tu vas travailler pour faire la méthode dropshipping? Eh bien, tu as plusieurs plateformes sur lesquelles tu pourras justement rechercher tes fournisseurs. Tu as AliExpress, également Alibaba. Alibaba a une section dropshipping, donc Alibaba, AliExpress, ou si tu as des fournisseurs avec lesquels tu parles déjà sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp, tu vois avec eux, tu leur demandes s'ils effectuent ce service de dropshipping. Ils vont te répondre oui ou non. Avec le dropshipping, il y a une méthode simple et une méthode un petit peu plus avancée. La méthode la plus avancée serait lorsque tu crées ta boutique en ligne sur Shopify, tu télécharges une application de dropshipping et donc du coup, cette application de dropshipping, elle est automatisée. Donc, lorsqu'une personne va commander sur ton site internet, le fournisseur recevra automatiquement la commande et il va faire le nécessaire. Et la méthode simple, quand tu es un petit peu moins avancé et que tu veux commencer très rapidement, eh bien, tu n'utilises pas d'application intermédiaire. Voilà, tu as ton site internet et de façon manuelle, tu vas à chaque fois, lorsqu'une cliente passe commande sur ton site internet, tu vas manuellement passer la commande chez ton fournisseur. Donc voilà, la méthode simple et la méthode plus avancée qui est quand même plus efficace. Ensuite, tu as la méthode de précommande. Peu de personnes quand même utilisent cette méthode de précommande et pourtant elle est assez efficace. Le principe est le suivant, toujours de façon très concrète. Tu crées ton site internet sur Shopify par exemple. Ensuite, tu vas télécharger une application qui va te permettre de faire le système de précommande et tu vas écrire sur ton site internet que voilà, là voilà, tu as ce produit là. Tu fais une offre de précommande de une semaine par exemple. Tu mets un prix très attractif. Tu fais cette méthode de précommande et surtout lorsque la date de fin de précommande est arrivée, forcément, tu arrêtes les précommandes. Donc, ça te sert à quoi? Lorsque tu vas faire les précommandes, les personnes vont acheter sur ton site internet, ok? Et toi, ça va te donner le budget nécessaire pour que tu puisses aller commander les mèches ou les perruques, les accessoires chez ton fournisseur. Parce que tu auras déjà récolté l'argent des personnes qui auront acheté en méthode de précommande. Cependant, la méthode de précommande nécessite quand même de faire vraiment un travail de teasing auprès de ta clientèle, ta future clientèle. Tu vas vraiment faire un teasing avec les quelques produits que tu auras, les quelques échantillons que tu auras, ok, pour vraiment donner envie aux clients d'acheter même en précommande. Surtout lorsque tu vas faire cette méthode sur ton site internet, il faut que tu donnes l'information au client à savoir que voilà, là on est en mode précommande et donc les produits seront disponibles à partir de quand, tu seras livré à partir de quand. C'est important de mettre ces informations pour que les clients soient plus en confiance par rapport à ta méthode de précommande. Mais en tout cas, voilà, avec la précommande, il faut vraiment charbonner, il faut faire un teasing de fou pour vraiment appâter et inciter la personne à commander en méthode de précommande. Voilà, et on sait tous qu'on aime difficilement attendre. Donc, c'est vrai qu'il est très important de mettre des dates. Voilà, vous serez livré à partir du temps. Et deux façons de commencer, de se lancer dans la vente de mèches de perruques à moindre coût. Ok, on voit que c'est quand même deux méthodes différentes
qui requiert des stratégies différentes. Maintenant, tu as l'information. Et si tu souhaites justement aller plus loin, que tu souhaites réellement lancer ton business de mèche naturelle d'extension, justement dans ma formation Air Business à succès, je te donne des informations pour que tu puisses être plus professionnel lorsque tu vas contacter, lorsque tu vas rechercher tes fournisseurs, lorsque tu vas contacter tes fournisseurs. Tu seras également en mesure de dépasser cette étape et de enfin commander tes premiers échantillons pour faire tes premiers testings. Et donc dans cette formation qui est composée de plusieurs modules, tu vas apprendre plusieurs choses. Donc par exemple, comment rechercher efficacement des fournisseurs. Il y a vraiment une stratégie à avoir par rapport à cela. Tu auras également des testings de mèches que je teste pour vous. Donc auprès des usines directement. J'achète auprès des usines, je teste les mèches et je te donne mon avis, mon retour sur ça. Et ensuite, je mets la liste des prix, etc. Donc toi, après, si tu es intéressé, tu es libre d'aller contacter ce fournisseur pour toi aussi tester les échantillons, etc. Bref, si tu veux te lancer dans ce business, ma formation, elle est disponible tout au long de l'année. Les informations vont être mises à jour. Donc voilà, je te laisse le lien sous cette vidéo et on se dit à la prochaine. N'hésite pas à liker si tu as aimé la vidéo. Allez, bye.